annoncé, la journée ville morte s'est transformée en marche pacifique de toute la population. C'est aux environs de 2h et 5h du matin que les habitants se sont réveillés sous une forte tension. Les artères principales étaient barricadées par des pierres dans les deux communes de la ville de Goma ainsi qu'aux environs de Kiissi, dans les territoires de Nyiragongo. Pas de circulation de véhicules, excepté des taxis motos qui empruntaient la voirie publique en toute difficulté. Au quartier Katoy, Ndosho et Majengo, les mouvements de la population étaient visibles sur la voirie urbaine, scandant des chansons horribles contre Paul Kagame et les contingents kenyans de la force régionale de l'EAC. Avec des fouets en main et des cercueils vides, ce manifestant s'indignait contre l'agression de la RDC par les Rwandais. Boutiques, magasins et quelques établissements primaires, secondaires et universitaires n'ont pas ouvert leurs portes. Le marché central de Goma, terrasses, alimentation et bistrots, dans certains coins, n'ont pas mené leurs activités au quotidien. Cette situation fait suite à des manifestations populaires annoncées par les mouvements citoyens du Nord Kivu, contestant l'inefficacité et la complicité de la force régionale des États membres de l'Afrique de l'Est dans les traques des terroristes rwandais du M23. Cette série des actions de la population a débuté ce lundi par une semaine de journée ville morte et qui ira du 6 au 12 février 2023. C'est que la RDC se bat aux côtés de nos frères décès. S'ils ne veulent pas qu'ils retournent chez eux, nous voulons aussi que la MONUSCO se batte aux côtés de notre frère décès. S'ils ne veulent pas qu'ils retournent chez eux, nous en avons marre de la complicité de la communauté internationale ainsi que de l'EAC, aussi de la MONUSCO contre notre frère. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Je vous dis bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nos abonnés, les abonnés de la chaîne Tindika Tindika. Devant vous, c'est votre humble serviteur José Matouva Ngwa Mwana Manyanga, futur député, parce que les choses déjà s'arrangent petit à petit. Au sommaire, réponse il y a à Béchole, na ndenge asiliko reproché ba kambia UDPS na makambo le kaki ya papa Mbongo. À Béchole asiliko reproché bandeko ba kambia UDPS. Donc on peut se faire réponse na dessous des cartes, il y a ba réunion où ils ont salama auto qui ndikuna papa Félix Yaka ko bengisa ka toujours président de la République na ba conclave ya pambala pambala auto benga ka ya patapunya ezanga nango mutuna makolo solution ezate ndeboko yoka dessous des cartes. Donc, on peut se marquer avec les communications, hein, situation sécuritaire, na katia mbo kanabiso, makamu ezo tambo la ndenge nini. Dans mon konza mbo kazala ki kuna na katia Bujumbura, makamu nini ayebisa ki Kagame. Face à face, makamu nini pe ayeko yebisa commandant ya force régionale, en présence ya président Ruto ya Kenya. Et les gars qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit premier point qu'ils ont dit 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 Pikeli, le visionnaire, na papa Rifin Kisombi. Donc, papa, papi, Kelly, bambo tebele, papa Rifin Kisombi, bambo tebele, et ou dit pas ya mwana manyanga. Tozali, tozali, to bunda, nzambe, azaye longon abiso. Tokouti mbala moko, mais c'est l'abbé Donatien Chole, azoko reproché ba dirigeant ya UDPS. Le cardinal Ambongo est aimé
de plusieurs adeptes catholiques de la population congolaise. Pour na yango, papa abe chole alobi et sengelite. Ba tu aide pes. Ba finga ka a cardinal Ambongo. Nandenge mateya na yateya ki kuna kati ya stade. Mateya na yateya ki ba to bele ide pes ba comprendre ki ma mute d'après abe chole. Ayoki ke bazo finga abe chole cardinal Ambongo ko landisa mateya ye asela ki koteya. Yango ya zolo bake, vous desservez le chef de l'État. Donc vous rendez un mauvais service au chef de l'État en injuriant le cardinal. Parce que le cardinal n'a pas de problème avec le chef de l'État, d'après Abbé Chole. Ngai siko pe na zo pe sa réponse et pas ya Abbé Chole. Oyo, o kote la kaka, ne kona yo cardinal Mbong. Ma kambo biso ide pes o to ko reprocher cardinal Ambong. Eza kutete ko to zwa ki ba recommandation moko na ba kambia mboka po na bande kwa ide pes ba banda ko atake cardinal Ambong. Non. Ndenge kaka teya ki na ekuna. Contrairement na ndenge papa teya ki. Papa teyi na ye aye komona ke non. Mboka ya Congo, Afrique mobimba, eza na kati ya colonialisme économique. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah ouais, ça parle bino na All Nation Store. Et pas ya maître Seti. Tous autres kabiwa rolia oyo nanga naye bisonyo surtout poliaka. Tous ali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road postcode na plusa N17 9NR. Soko leki restaurant Deluxe Mana, tope Deluxe Mana, ou leki mouke pavement ou mati. Ou mati ka biso ou mon action na soukawana. Ou soit so ou tibouscroft, ton abis 123, 230, 242, 76 et tellement ka juste li bousso na biso ao. Ou soit ou kitikara na underground ya Tottenham L, nde ou betou makolo, ka nde tu yara restaurant Deluxe, soko ye ou mon abis ao. Ton abba produit nyo surtout, tout abba carton nyo surtout, malangwa, tilapia, Ngolo, Malwa, Soso, Makayabu, Pondu, bref, biloko nyonso tout autre salango. En gros, comme en détail, ezali. Puis, vendredi, bandeko tout ouwa musulman. Sobo si mosquée, tout ala fongwa ma ti souka, ti retard, ti ba 22h, ti ba 23h. Dimanche, bandeko nan soba Christo, de ba chrétien, tout ala awawa. Boya pe bino, tout ala tozo zela bino, sobo si ba church, parking des Afri, boya. Vous allez shopping à nous, vous allez tirer sous 22h. Livery, vous avez un link qui est toujours cher. Si vous avez un link en haut, vous cliquez, vous cotez dans le cas, vous produit dans le cas, vous faites la basket, et puis vous check out, quand vous avez un salaire dans Amazon, dans Ticketmax, vous avez un salaire, vous avez un salaire. Vous avez deux options, vous avez un delivery, vous avez un pick-up. Donc ce qui m'occupe, c'est la carte colonialisme économique, économie na bango moyen et bi qui ça ba Colombo ka exalté. C'est que m'occupe qu'on allait na souffrance. Aye ko yebi ça ba occidentaux, ba longo la maboko na bango na Congo, ba longo la maboko na bango na Afrique, ba ti ka ba mboka on essaie de développer en moko. Tant que maboko na bango ezawana e ko sala ki maboko na e développer te pe bana na bango ba ko sala ka na passe. Donc pour na pape alobi ba occidentaux batika ko asphyxier batika ko asphyxier ko kanga pema ya ba congolais ya ba peuple africain na kolanda matia pape yi asiri ko pointer du doigt les occidentaux qui sont à la base des malheurs et des souffrances des congolais surtout na partie est mais papa cardinal yi aye koloba ke papa Saint-Père bato ba iko yamba yonso bazana nzala bazana pasi madana ba ami na banguti na banzoto na bangome ba iko yamba yokaka nzoba tango zolo ba bongo pona ye ndenga ba yena nzala ndenga ba iko yamba ye c'est que bato bazonyo ko la bango régime en place ke tala ba pasi ba nde kwa es bazomona kuna asisa ki angote la kata prédication na ye mais après interview mo kasala ki aye kolobake derrière kutu président Félix Tshisekedi azo na ye kutu te na mapona mia 2018
Et puis, il y a à la base, ton gouvernement, le régime, il y a à la base, il y a un pas de guerre, et il y a un Est. Mais il y a un peu de interview. Depuis son carte IDPS, il y a un peu ah. Mais chef, il n'écoute pas payer à mon non, parce que ceux qui sont occidentaux, ils sont en Congo, Congo et Kobunga. Mais comment y est un peu de temps, non, parce que les régimes actuels, ils ont provoqué pas ceux d'ailleurs, quand mon conseil bon casse-toi naïté. Quand à comment on demande à tout le monde que non, papa Kadena Lambongo a une copie sa message à pété, a une copie sa message à y a division. Contrairement à ce que le pape a prêché, pape a prêché la paix. Oh, écoute, tu regardes que Fayulu a signé que tu parles dans le peuple congolais. Mais y a mon copain n'est pas là-bas qui est au Alimbisi pour naïé. Alimbisi muto aïba qui m'a pour naïé na 2020 na 2018. Ouais, na pour naïé. Donc pour naïé, ayambi maté ya pape peut même Alimbisi. Maman Mouchebe quoi, n'a qu'à s'en aller par le bec, n'a pas la limbe, c'est papa Mbos. Au moins, déjà, ma tête, papa, et c'est le moussala. Ce que papa cardinal, au lieu, aucun de gars, même d'anglais d'idée, il y a comme Makabatuna repentance, il y a comme Makabatuna pardon, il y a comme Kolobako, président, Azouan a été, en 2018. Wana ma tête, wana, ça pour la Kabola, pour la Kotonga. Donc, vous voyez, qu'au bébé, sa ma tête, papa Lobaki. Pour la Kolobake, il y a un limbe, qu'on zamboka, t'es, aux autres, un criminel comme qu'on zamboka, qui est mutaza à la base, à souffrance, à battre à Est. Est-ce qu'il y a mutabadi, guerre à Est? Il y a un coup de victime. Il y a un coup de coup de cardinal réponse. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que cardinal a dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit parce que tant que vous avez dit 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 que réaction y a bande comme sous. On a besoin de banzé, papa cardinal, abota bana, abota ceux qui sont 7 bana, abota ceux qui combien sont bamusu kuto 14 bana, à soulever la bango. Yango wana, papa abe chole, reproche na yo pa bata i de peste, c'est la sensité. Po bata, ba kambia i de peste, bata batinde, bata bayemba. Ba kambia i de peste, bata batinde, bata na télévision, ba condamné malo, ba cardinal ambongo. Donc, mutuna mutuna quand il dépasse, tout ça là ka, mutuna mutuna zana analyse na ça là ka, pe azana makukia que ne ko pe sa réponse, pas mutua simbi mukonza mboka. Wana izande réponse, na sir ko pe sa pas abe chobele. Yebi sa ka pe sa ka toli pa ya cardinal nde ambongo parce que to monique aza penda cardinal le plus médiocre, ya ba cardinal nyonso o ya catholique. Parce que ma te ya papa lobaki, nge me makutu déjà ba combattant ba zonga na catholique. Hein, ba combattant nous ba comme ba catholique pour ba sepe la ki ma te ya papa. Mais tant que vous avez un bon balabino, un bon fou longwa. A Zadini, il cardinal la carte RDC parce qu'ils ont divisé. Soudan, ceux qui sont divisés, pour n'a qu'à la religieux. Il y a un autre qui est la carte religieux, on a un message, il y a une division, c'est que vous avez une balkanisation. Il y a un papa Chole, yo lingi mingi ko corriger batoyi de pesse mais corriger nanu cardinal na matea naye pe na ba déclaration na sala ki na chaîne wana après matea naye a sala ki interview tala ndenge siri ko envoûter batou na kata stade pour na baloba contre président Félix pour la bataille sa pape que non peut-être population et lingi présidenté mais nyonso wana toye baki déjà que ba o ba kende ko na baza ba jeune catholique te baza ba jeune athée donc ba o baza ba kuluna batu ba zanga mitu ba pesi bango mbongo ba membre ba parti politique ba pesi bango mbongo pona ba kendo loba mabe pourtant kutu papa zoteya bango ba boyiko yo kamati ya papa kaka bazolo bakaka oh kabila za wapi kabila za wapi donc kabila oyo asala mabe na kati ya Congo wate kamboka papa Rwanda oh le to zo nyokoma hein ba bambi ba tuna ki célibat sans suite célibat à vie pona nini kabila mutatika ko kanga ba tuna célibat à vie. Hein, ndenga yaza sénateur à vie. Donc alinga akomisa ka ba congolais nyoso ba célibat à vie. Oyo kaka obala ote na bota 24 bana mais na zana mosité. Tout ça kabila mutakati ko sala bon. Ce ko biso to yo kaka matia ya jole ya ambongo ono c'est le gouvernement en place qui est responsable. Jamais. C'est kabila qui a mené que pays oyo comme que classe comme cher. Pour la cotange comme le quoi cher bat baso ko cotanga te ba komika ka ko vana kata bandaku moye pe baba les ate misala ezate allez bat ba komika ka bilobela bilobela tout ça c'est Kabila qui avait fait ça si ko totali amongo kaka pemi na Kabila kaka pemi na olive avant que tu papaya ba sala ki na olive bombe de temps ma solo
Ma solo wanini la fois passée ba kende une année avant ba kenda ka kuna na kati ya kinga kati ba tali ndenge ba sali restaurant moko kuna ezala ki penza VIP kuna papa mbonga bandolo ba ke yo mobali na yo mama Olive azana no jeune akozonga le pe na bokonzie donc pona mbongo il faut kabila zonga na bokonzi oyo monseigneur to cardinal mosengo atikala ko benga médiocre yewa nande sikoyo cardinal a mbongo akomisi ami alinga zongisa na kati ya et pouvoir. Diango pour la kolobake, si cardinal Mosengo atiala kobenga Kabila médiocre, onion sa kokanga mana Kabila sont des médiocres. Wana nazoloba de la part de fin Mosengo. Wana réponse na pesa abeshole nazoleka, manifestation za na Goma ba monique EAC ko sala ke lokote, EAC eyina ngoka ka pona ko komisa balkanisation, ko vandi sa balkanisation, po ba komida bango ko coopérer na ba 123 ko lata na bilamba. Ko sala makamunyo ko facilité ba 123 ba kote na kati ya Goma ndenge musala kaka Monisco bande ko sala et monani ke 123 nani force régionale et commune ngo Monisco 2 ya ngwala kuna na Goma ba lobe oh ba place nyonso 123 zui na kati ya Nord Kivu ba zobimate yo force régionale o yawa na bona ko bengale bango te o komine ko rouler na ba jeep en tout cas bango ba bandeki marche ko la lobby marche te. Donc le quoi la ville morte, ville sans activité, bah barricadé, bah nzela bah veni, moutouke le kate, misale et salamate. Lobby désordre qu'on a la kate ya Goma, le lope, ils ont continué bah lobby une semaine, ekolandama. Parce que ce qui est kaka, bah EAC, bah boy na bango ko kote la kate bitumba, bah zonga na bango. Parce que bah monique bah EAC wana, bah zana, ezali la malamoute, bah yé na bango ko vandi sa penza, balkanisation. Yangwana papa moko azalaka na kati ya Kenya, asalaka na service ya Kenya a révélé biso de dessous de carte ya rencontre ya ba chef d'état o ba kendeke na kati ya Bujumbura ezalaki na ngote ko ba kende ko évaluer ba makambo ya Luanda ndenge penze ezali ezalaki ndepo ba kende ko contraindre président Félix Tshisekedi a kende ko signer ba contrat oyo esengeli ba kabola mboka en quatre parties. Alors mutwana ou à l'ingé, audio na yéna kout pesa numéro na kout tindé ba audio tindé zami laï, tiang eza mouke pou na to, tiang wana kati ya chen. Ou à zanango posa, na kout tindé le yéna kout pesa numéro na ngay. Akoyoka, plan nyon son denge zali. Réunion et salamaki, kuna na kati ya Nairobi na Kenya, pou yé asalaka na kati ya sécurité ba, linga kite ba Kongole ba kota, yé akosa ki kaza, Kenya, akota ki na kati ya réunion wana, représentant États-Unis azalaki, représentant Belgique azalaki, représentant ya ce qui France azalaki, donc communauté internationale ba vandina ministre de défense ya Kenya, ministre ya intérieur ya Kenya, ne bango sikoyo ba Kenya bazo funda président Félix Tshisekedi pa ya ba occidentaux que papa wana a komi ko boya ko signer ba contrat to ko signer ba accord oyo esengeli pona to balkaniser mboka ya Congo nde ba mindele wana ba siraki yeke. Siraki Kenya, que le quoi les abongo, nous allons dépenser de l'argent pour appeler ça parti politique on a appelé ça pas jeune, pour ba finga kamo konzamboka, ba dénigra kamo konzamboka na ba chaîne de télévision, pe na bisika nyonso, ba tu ba longwa confiance na konzamboka, comme ça, tango ba kolonga confiance, ne ba kotia katumbi, ba lobi kombo ya katumbi, bango moko ba kusilanto, na kati ya renouana, ndenge mutuane ya Kenya zoloba. Bon, il y a la katumbi ya sa penza mo na mboka te, a cause la penza la souci, conscience penza ya ko sunga mboka te, ba pesi pe kombo, soki te, soki katumbi te, wana ba kozwa fayulu. Ba lepe paske fayulu, aza demi Camerounais, pe Sénégalais, aza penza mo na mboka te, ye wana a cause la penza la posa te a développé. Alors, soki kaka ba tie Félix Tshisekedi, aza mo na mboka, a ko bloke makambo. Soki pe ba luki mo na mousse mo na mboka, aza makile ya Congo, a ko bloke makambo. Seke sengile ka ba tie kaka, moutwa aza ke, aza, étranger pour akamba Congo na réunion au tango samedi na Bujumbura réunion salama pour na epanda ishimie na pokwa nango na Kenya réunion salami pour na kaka kokata makamba Congo yango papa wana ayebisinga ke eza makambo ebele pour na ko réussir kaka balkanisation oyo ba Kenya bokebela bango ba Kenya ba Kenya na renfort na Soudan Kabwana bakenda renfort na Somalie ti lelo ezwa kimiate donc bakene sika no bakenda kaisaka pona ko kabola mboka donc bokebela bango pe bozongisa bango au plus vite ndenge azolo bawana. Alors makambo o batwa Nord Kivu basala na soutenir yango basala ba marche a soutenir pe même la kisasa même diaspora esika nyonso batu bazali
ba Congolais ba telema ba s'élever ba manifester afin que communauté internationale et mona que Congo za d'accord et qu'on sauve gouvernement et qu'on sauve président parce que na ye moko président la cabinet na ye ezan na déjà na ba infiltré ezan déjà ba complice na gouvernement ba complice bazali ce qui kaka na ye moko za contraint donc aza penza pousser donc bazo contraindre ye a signer kaka biloko na so na ye moko population est pouillée et était balobi que en tout cas Congo ko kabona kaka parce que to comprendre une étape il y a ko ki sa makamba ko kaba Congo bazoko inga ba sa président Félix après ça 300 km ndenge zaki na ba contrat et l'Emirat après ça bango ba kabola Uganda Burundi na Rwanda ba kabola ba mboka wana pe ba installer population tuchi na kate bisika wana pe na mkola lelo déjà tozo lobaboye ba mboka onyonso ba Congolais ba kimaki na bitumba o ba M23 ba vandeli ba population rwandaise ba komi ko yana ba mboka wana ba komi ko vandela ba ndako batu ba Congolais ba komi ko sala kolia ba bilanga batu o ba Congolais ba tika ba kenda en déplacement ba komi ko vandela ngo ba komi ko sala donc il y a déjà occupation ndenge ezalaka toujours na projet ya balkanisation il faut éliminer ba bantu ba autochtone pe ko réinstaller ba peuple tuchi ima ne yangwana yo kakao tuchi power donc alors na kati ya makambozo le kana kati ya est de la république démocratique du Congo il y a un projet de la balkanisation alors ba occidentaux de baza penza na kati ya makambo ango na tangela kibino la fois passé na émission et le kaki comment cinq intellectuels banyamulenge ba komela nations unies depuis na 1981 et ça là qui l'être mon qu'on attend que la qui la fois passée oh bah comme qui pas bah cinq intellectuels n'a qu'autant qu'amouké que nous avons l'honneur de vous faire part de notre situation en République du Zaïre quoi n'est-ce qu'il attend quoi na la République du Zaïre na le 20 juin 1981 quoi na bah bande colobela bah comment qui est pas ya chef Nations Unies représentant secrétaire général des Nations Unies. Nous avons l'honneur de vous faire part de notre situation en République du Zaïre, que nous considérons comme notre patrie de fait et de droit. Sur le plan historique, le roi du Rwanda, sa majesté, roi Bugiri, avait conquis les zones de Goma, Rutshuru, Walikale, Masisi, Ijwi. Et cette conquête a permis aux ressortissants du Rwanda de s'installer dans les zones conquises. Et aujourd'hui, nous sommes dans les 2 millions de Tutsi rwandais habitant dans les zones conquises. Et grâce à notre influence grandissante dans le pays, certains de nos compatriotes occupent des postes de première importance. À l'époque de Mobutu, on nous avait donné la nationalité globale. En 1972, mais une opposition s'est élevée et la loi a été abrogée en 1981 pour dire que nous devons seulement recevoir une nationalité individuelle. Et Bango Balobi que le 8 juin 1981, cette loi qui abroge celle de 1972 qui nous reconnaissait d'une manière collective des nationalités zaïroises. Nous nous opposons avec force à la procédure individuelle de la demande de nationalité. Voilà, bah toi là, bah le mec est bisous ton boy. Moi que j'ai une décision. Mon but après ça, bango na 1971, bah na molenga nyon se basa la Congo. Toi après ça, bango nationalité congolaise collective. Ah, bango moi quand j'étais impérial, bah le but est. Bah tu vas c'est une nationalité individuelle. Au coup bamba bango nyon sauté ti au bah bandouya sima. Allez au plus ça mon nationalité. Et comme il désordre, mon but a résolu. Na sale erreur. Donc tu as le but que na longoli ma kambuana ya 1972 ya copé ça bah wane molenge nationalité collective. Na 1981 aye kolongo lango le but que oh ya lingi kokoma kozwa nationalité zaïroise asa la demande na ye individuelle. Bah tu ti bah tomboka ne bah komela Nations Unies mukanda. Bango ba boyina bango ko sala makambwana ba lobi ke nous n'accepterons pas être dépouillés de la nationalité zaïroise à laquelle nous avons droit depuis 1972. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'intervenir auprès du gouvernement zaïrois pour que en accord avec la population des zones l'autodétermination soit organisée dans les zones telles que Goma, Rutshuru, Walikale, Masisi et Calais, Ijwi,
pour que après référendum sous l'égide des Nations Unies, Union africaine constituera un État à part entière qui aura à solliciter sa reconnaissance internationale. Ça sera une mobilisation générale de la population originaire de Rwanda en République démocratique du Congo, donc Natawana na Zaïre. Bato ba sinale Rwanda ezande Ngira Shebuja Stalinas Stanilas Gaïma Pierre Guitera Ambroise Nkorota Jean-Baptiste Simeni Nepomucène, donc au Bambane Moulenge, au Bassina Lettre, au Kebabo, na Bango, Makambo, Mubutu, Aibisa Bango, que Bossing a nationalité individuelle. Babo, il n'est pas commis les Nations Unies. Kedere, Koko Nabiso, au Batangi Kombo, Awa, ce qui Koko Nabango, Koko Ninwana Koutu Batangi, Natotangi Kombo. Yende Mutuazoma Bele, ya Baruchurwana. Ce que Bango Bavande Lango, tant que Bakabola Mabele en 1885, Bango déjà Bazalaki déjà Mabele na Bango, mais Bao Bakabola Mabele, Bayoko Tango na compte à RDC, na compte à Zaïre. Yangwana Bango ba revendika kaka Mabele wana balubike, eza Mabele na biso, ne bakata, Nations Unies, bino batu Bokabola Mabele, bota la biso Mabele, oizela kaya biso, Bango ne Bavande Lango, lokola Mabuta Boyoko pesa biso nationalité commune, il faut Mabele wana, eza la biso, kote wana nyoso, eko ma un pays à part entière. Ne basenga Nations Unies ne yango koma katil lobi tumba donc esengele mboka ezala balkanisé et pour balobi ke nakata plan na bango ya balkanisation baloba ke tangu bakotia royaume tuchi wana bakotia royaume tuchi batuchi wana bakobenga baba banya mulenge bakobenga masuba tuchi te bakobenga baba banya mulenge simalango bakochanje bango kombo bakokoma ima balobi ke dans l'avenir on parlera le mot ima plus de tuchi. Ils vont exterminer tous les Hutus qui vont vivre en RDC. Il y a un peu de FDLR, faut basile, faut basile. Donc, plan de bango na katia balkanisation, faut basile, ça faut pas bomba ba Hutu nyonso. Ils vont exterminer tous les militaires de FAC, autobenga ka FARDC. Surtout les officiers techniciens de guerre, ba ko éliminer bango. Et salama déjà, na tia Kabila, combien de ba Congo, combien de Bangala, combien de Baluba, ba militaires, ba officiers, ba éliminer bango. Ils vont éliminer tous les hommes influents. Ils vont massacrer les jeunes Congolais par des poisons collectifs, par des exercices lourds et des travaux forcés. Bah poison collectif. Bah quand la biloko Congolais, on a bah mai, on a bah biloko ebele, bah aussi la biso empoisonné pour la kaba Congolais, bah kufaka moko moko, bah rendre biso inapte. Voilà comme tu as senti ça la question malongati. Nous on a bah bongisango déjà. Ils vont exterminer les autorités coutumières, affaiblir le pouvoir coutumier. Wana ezala kati ya projet de la balkanisation. Beta internet au côté là. Ils vont décomposer l'armée congolaise, réduire son effectif, lelo. Effectif ezala dit. Oh kuna ba yango yoka kuna bazui. Kuna bazui ba 23 bazwa kakak, mais armée congolaise est coincée la défense parce que l'armée est réduite. Pillage des armes, des munitions. De guerre vers le Rwanda et l'Ouganda pour servir de base arrière. Pillage des minéraux et des richesses du Congo. Infiltration de Tutsi au Congo. Reconnaissance des limites de Kivu. Infiltration de Tutsi, yango de Gessalami. Tuer le président en exercice au Congo. Et occuper la présidence. Nyon soane salami déjà. Baboma ba l'aura des Kabila. Ba Mobutu. Babo Misabango. Poete ba vende la présidence de Congo. S'attaquer aux intellectuels congolais. Les affaiblir par les tortures, par la famine, par l'esclavagisme, surtout les journalistes. Ozukama Mbongo, moi, 2000 dollars, 5000 dollars, Alfinga Fati, Alwango Finga Fati, Tala Makambo. Les provinces du sud du Kivu seront dirigées par les Tutsi. Ah, donner les bourses d'études aux Tutsi afin d'occuper plus tard tous les postes du pays. Tout le monde a gagné déjà. Tuer tous les Congolais qui sembleraient être capables de soulever la population. Au moins, ma kambakanga. Donc, Mboka déjà est prêt à la balkanisation. Yango babando, mema ba kamere ba mema, président Félix, je sais que na ba kore bele nyoswana. Papa, on a lobby que ba kore ba mema ka, et yali koloka botala ka na kati lango, et zala kapona ko
te kamboka pona ko balikanze Kongo yango mukonza mboka lokola ye akomi ko boya ko sinaka biloko wana ba komi ko lukeleke ba pesa mbongo ba jeunesse ba finga ka ye ba lo ba kama be contre ye afin que ba bimisa siko Katumbi comme président de la République. Yango ba kekuna na kati ya Bujumbura pona basi ni so ba contrat mususu président aboy ayebisi kagame yonde oza penza président moko ya mabe ozo tia désordre na kati ya ba pays Grand Lac yonde ceux qui yonde FLL réseau tia insécurité na mboka nayo mais biso to kotinda ba faire de ça ba ko sécuriser yo donc ayebisi bango en face ayebisi commandant ya mboka wana ya mboka commandant ya force régionale. Yo oyana kongote pona ko yako memangam ko yako memisa kongo ngam oyapona ko sunga ko yako na ko baby saté o komi ko travailler longo na ba 123 population ozo tinda population ba lo baba sala makambo o sengle ba sala donc gare après se bango mise en garde yango ba bengi se sou passa sou na mokola lobi dimanche le 5 février a ke sou passa sou kaka pona ko lobela makambo na ya s ya sécurité nzoka lokuta bazana makambo sou bazoko contraire le président Félix a signé même konza mboka lobaki ke ata patriote moko te lobi le lope libela na libela akotikala ko zwali kanisi ya ko signé ko teka ya mboka ya ko kaba centimètre ya mboka e pa ya bapa boye baka makambo président lobaka eza pona yango. Yango alobaki papa wana ya Kenya alobaki ke pona tobiki samboka il faut mobilisation générale faut esalama na kati ya mboka ya République démocratique du Congo pona ko soutenir mukonza mboka na obaza na poto bazana ba Afrique du Sud kala mite kabila sala ki mwa réunion moko pona avenir mboka ndenge bako récupérer sous pouvoir na kati ya mboka bazala ki elongona mukandida président oyo zo pesa candidature Katumbi na bande comme sous na ba président africain quatre présidents africains ba soutenir qui peut rencontre wana oyo ancien président Kabila sala ki na kati ya Afrique du Sud ndebi loko wana ba kongomani to so boyango so to monaki makambo leka ki na stade omona ba manipulation mutu wana ya sécurité ya Kenya kongole wana a dévoiler yango ke ba occidentaux États-Unis asana sima na biso te baza sima bana molenge ko installer Batuchi déjà Sud qui vous en danger Nord qui vous en danger ceux qui kaka bakangi yango esili bakangi yango ekomi mboka mobimba dala kaka sénateur wana ya américain lo bakike ceux qui kaka ba faire de ça ba récupérer ba mboka wana onions ba M23 bazu lo bakengaité et la moni kutu imagine nini ba faire de ça ba kosala te pona ba récupérer kote wana donc dala kaka sénateur américain zo lo bango pe azo senga onike déjà na ba territoire oyo déjà M23 azui ba sale lango déjà statut administratif particulier donc eko mamboka mobimba donc yango eko simba te pona to komisa Nord Kivu wana ba Rutshuru wana eko ba pays mobimba eko simba te on a besoin que mboka Congo etikala un et indivisible conduit par un seul président qui est le président Félix Tshisekedi ne yango toza lango posa peuple congolais to landa makamba ba politiciens te les politiques nous divisent et plusieurs religieux nous divisent. Ndenge zaki na Soudan, bambo Soudan lelo, eza divisé, mais bitumbe si la kate. Donc ce n'est pas la balkanisation qui va arranger les problèmes. Et d'ailleurs balkanisation, il y a Congo, eza pona ko éliminer les autochtones, tiwe les bantu et ba réinstaller peuple mususu obazo benga, les nilotiques, les tutsi. Wana nde projet wana ba population bazo comprendre ngote biso a na kisasa kaka miziki to réseau na kapenza teke quel projet o ezala sima ba politiciens o sima ba Katumbi sima ba opposants nyoso wana bazo kofinga président Félix Tshisekedi bazo yina président Félix Tshisekedi koloba n'importe quoi lokola muto o cardinal Ambongo ki dit n'importe quoi contre le président Félix Tshisekedi alors to yebisi abeshole pesa conseil pas cardinal nayo azoko incriminer président Félix Tshisekedi responsable ba malheur ya ba ndeko bazana est non ce n'est pas le président Félix Tshisekedi muta bandi guerre wana ce sont les occidentaux c'est une guerre économique guerre hégémonique ndenge basila ki koyebisa biso alors to comme na biso na suka ya émission na biso mokolelo c'est votre serviteur Mwana Manyanga toko koba kaka pona koyebisa ka bakongomani makambo oyo mboka na biso ezolinga ekutana nango selon projet ya balkanisation oyeza na kati ya mboka na biso nous sommes dans l'émission Tindika avec votre serviteur Mwana Manyanga numéro nanga ya téléphone pona ba obalinga ba benga ngai ba soutenir musala
va soutenir chaîne na bango numéro na ngai téléphone parce que futur député mwana manianga ya tchango esengeli boto préparaka déjà to préparaka déjà na monaki ba ebele kuna na kimbanseke ba memi 200 personnes mais aza député mais nzela kimbanseke mabe nzela kimbanseke mabulu mais azo zo mbongo ame mabatu pona bake ne kotika ye azo carte d'électeur mais nzela na ye pona kolobelango e azo lobelate donc ba twana na comprendre que ba congolais ba kangi bango na nzala mais ba yena 2000 francs pour ba kitika kaka député azo ke de ko zo carte d'électeur mais nzela na ye ya atambolaka nzela mutuana ozo ke de kotika atika yo ko zo carte d'électeur nzela tambolaka eza mabulu mais ba tiki yango papa ngobila atiki kaka bongo na victoire okuta tala paquet ba matiti evandi kaka demwa ba mvule zo beta oto mte osala nzela ça c'est vraiment ce ko sala mabe na régime ya papa Fatou Beto plus 243 89 92-51-866. Plus 253-89-92-51-866. Nous avons soutenu la bino, la tricot pour la campagne de Bandama Kass. Il faut que tu bande comme ça. Il y a Sika, il faut que tu rwandais, il faut que tu côté de la il faut que changer. Ba kangi ba peuple congolais nanzala. Mais ba soutenu pour que tu aies financière et que tu aies na kende liboso pe na koma député na année 2023. Au revoir. À la prochaine. Contrairement à annoncé, la journée ville morte s'est transformée en marche pacifique de toute la population. C'est aux environs de 2h et 5h du matin que les habitants se sont réveillés sous une forte tension. Les artères principales étaient barricadées par deux pierres dans les deux communes de la ville de Goma ainsi qu'aux environs de Kiissi, dans les territoires de Nyiragongo. Pas de circulation de véhicules, excepté des taxis motos qui empruntaient la voirie publique en toute difficulté. Au quartier Katoy, Ndosho et Majengo, le mouvement de la population était visible sur la voirie urbaine, scandant des chansons horribles contre Paul Kagame et les contingents kenyans de la force régionale de l'EAC. Avec des fouets en main et des cercueils vides, ce manifestant s'indignait contre l'agression de la RDC par les Rwandais. Boutiques, magasins et quelques établissements primaires, secondaires et universitaires n'ont pas ouvert leurs portes. Le marché central de Goma, terrasses, alimentation et bistrots, dans certains coins, n'ont pas mené leurs activités au quotidien. Cette situation fait suite à des manifestations populaires annoncées par les mouvements citoyens du Nord Kivu, contestant l'inefficacité et la complicité de la force régionale des États membres de l'Afrique de l'Est dans les traques des terroristes rwandais du M23. Cette série des actions de la population a débuté ce lundi par une semaine de journée ville morte et qui ira du 6 au 12 février 2023. C'est que la RDC se batte aux côtés de nos frères de ces. S'ils ne veulent pas qu'ils retournent chez eux, nous voulons aussi que la MONUSCO se batte aux côtés de notre frère de ces. S'ils ne veulent pas qu'ils retournent chez eux, nous en avons marre de la complicité de la communauté internationale ainsi que de l'EAC, aussi de la MONUSCO contre notre. Ils sont venus ici pour défendre l'intérêt territorial, mais ils sont en train de faire des choses qui ne vont pas vraiment. Il faut que l'EAC puisse partir chez eux parce qu'on ne voit pas l'importance de l'EAC. En tout cas, on ne voit pas l'importance. Surtout, nous disons à l'auteur, la personne qui a amené l'EAC ici, ces gens sont encore au pouvoir. Ce sont eux qui ont amené ces étrangers lourdement armés qui ne font rien dans notre pays. Nous, les jeunes, nous avons été fatigués pour nous défendre le pays. Non, jamais trahir le Congo. Aucune présence de la police n'a été signalée durant les manifestations en colère des habitants et s'est plutôt déployée pour ouvrir la circulation avec peine suite aux grosses pierres déposées sur la chaussée. Pas d'arrestation malgré des cas isolés de vandalisme de quelques habitations. De